Je suis griot de père en fils. Mon feu père, Sidi Kidiabaté, père en son âme, fut griot aussi. Donc cette tradition, comme j'ai dit, depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, elle a été suivie de père en fils, de père en fils, de père en fils, de père en fils. Et j'ai pu quand même éventuellement donner une ouverture par la grâce de Dieu à la Cora, tout en démontrant, parce que moi je ne voulais pas, depuis à l'enfance, quand j'ai commencé à jouer à la Cora à l'âge de 5 ans, je n'ai pas eu de maître, je n'ai pas eu de professeur. Mais j'écoutais quand même aussi les cassettes de mon père, de mon fait-père et de mon grand-père Amadou Bansan Diobaté, et d'autres musiciens aussi, d'autres joueurs de Cora du Mali, et de la Guinée-Conakry, et de la Gambie. Mais éventuellement, j'écoutais aussi des orchestres comme les ambassadeurs du motel, le Rai Band. J'écoutais aussi le Bembeya Jazz de la Guinée. Et j'écoutais Otis Redding, j'écoutais Jimi Hendrix, Johnny Hallyday, etc., etc. Donc j'ai pensé qu'il faudrait ouvrir une porte universelle pour la Cora et que les gens arrêtent aujourd'hui d'écouter la musique de la Cora en disant oui, ça c'est une musique classique de la Cora, c'est très bon. La musique de la Cora est une musique classique, c'est très bon, mais je veux aujourd'hui que les gens jouent avec cette musique de la Cora. Il y a eu des exemples avec les Espagnols, le Ketama, avec Taj Mahal, qui est un prophète du blues, avec le dieu du blues, Ali Farka Touré, etc., etc. Et moi, je trouve que la Cora est un instrument très bien, avec une sonorité sensationnelle. Vous pouvez voir cette technique de jouer la Cora, qui a ces trois fonctions, qui est de faire la basse, l'accompagnement et le solo à la fois. Je vais vous donner un exemple. Je commence par la basse. Je joue par exemple le morceau Djarabi et voici la basse. Maintenant, je fais l'accompagnement. Et j'improvise. Ce nouveau chef-d'œuvre s'appelle Mandem Variation, la variation Mandem. C'est une continuité de mon premier album Kaira que j'ai fait depuis 20 ans. J'ai eu des expériences avec Danny Thompson, avec Ketama, avec Damon, avec Björk, avec Salif Keita, avec notamment Roswell Rude. Je suis très content et très fier aujourd'hui du travail des joueurs de kora. La kora est devenue un instrument multidimensionnel. Mandem Variation est une continuité de ce que j'ai eu, ces 20 ans d'expérience ensemble, que vous pouvez constater avec notamment le passé qui rencontre le présent pour le futur. Dans la mesure où j'ai pris des chansons
qui datent de 100, 200, 300, 500, 700 ans. Et je les ai fait jouer sur des gammes d'aujourd'hui ou des gammes anciennes qui n'étaient pas connues, ou la kora, où c'était des chemins tout à fait nouveaux pour la kora. Et il m'est arrivé aussi de composer des chansons que j'ai adoptées des arrangements d'antan, ce qui signifie une rencontre du passé et du présent pour le futur. Pour demander une variation, cet album n'est pas comme les autres albums de kora dont on a l'habitude d'entendre. C'est une nouvelle porte qui vient d'être ouverte pour la kora.